Alors, vous allez me dire, bon, Lolo, ça c'est un télescope avec une lentille de Barlow. Ouais, en effet, parce que là, ça fait pas 1400 de focale, hein, ça fait beaucoup moins. D'ailleurs, vous avez remarqué ici quelque chose d'étrange. Ça, c'est la marque du télescope, TS Optique. Puis il y avait encore un petit bout ici. En fait, le télescope, ben, je l'ai rétréci, je l'ai raccourci. J'ai coupé le tube, j'ai remonté le miroir. Et ce que j'ai fait, c'est que là, ici, donc j'ai démonté les trois vis qui sont là. J'ai démonté tout l'ensemble. J'ai retourné et il y avait la lentille de Barlow ici, là. Donc je l'ai dévissée. Hein. C'était une lentille de Barlow qui peut se dévisser. C'est une Barlow 2,5. Voilà, donc si vous faites le calcul, 2,5. Voilà, on a une focale. En fait, la focale réelle, elle est de 550 mm. Donc là, ici, sans la lentille de Barlow, une petite bête, un 150 mm d'ouverture sur 550 de focale. Alors, pour que ça fasse 550 exacts de focale, bah, j'ai coupé, parce que le tube était beaucoup plus grand. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Il fallait rapprocher le miroir, sinon je n'arrivais pas à faire la mise au point ici à l'oculaire. Il fallait que je plonge l'oculaire à l'intérieur. Hein. Donc, du coup, ben, on rapproche le miroir et on remonte le point focal, on le remonte. Comme ça nous permet de faire la mise au point. Moi, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Allez, je vous la mets. La séquière qui permettra à mon père de s'enfuir de cette misérable prison. Dès que nous les aurons tous, j'anéantirai cet imposteur de mes mains et tous les tas d'os et de chair de ce monde horrible sang. Bon, ben donc du coup ce soir on va tester le matos, voir ce que ça donne. Alors la collimation, elle est approximative. Hein. Franchement, je suis pas balèze en collimation, hein, puisque vous savez que moi j'utilise des lunettes, des petites lulus. Donc pas besoin de collimation sur une lunette, en théorie, hein, je dis bien. En théorie, pas besoin. Et puis voilà, on va. Hein, aujourd'hui, on a un ciel. Bon, il est. Comment dire? Allez, il est presque bleu. Il y a un petit voile. Il y a un petit voile de nuages. Mais bon, là, on a le soleil qui est en train de se coucher tranquillous. Voilà. Donc, horizon sud, c'est par là. C'est vers la cabane. Voilà. Bon, j'ai tendu la pelouse. Hein. Comme ça, j'ai pas à marcher dans les hautes herbes. Bon, tiens, je vais vous faire un petit tour du potager. Là, j'ai les patates. Donc, c'est mes pneus à patates. Je vais inaugurer c'est pas le recyclage des pneus, mais c'est le décyclage. Hein. Je les décycle et je les upcycle. Je sais pas comment on dit. Voilà. Donc, j'ai planté les patates. Là, ici, j'ai mon tunnel nantais. Donc, dans le tunnel nantais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a des carottes qui sont en train de pousser tranquille. Là, ici, j'ai préparé l'armature en bambou pour les pieds de tomates qui sont encore en train de grandir dans la petite serre. Ici, bon, j'ai ma petite ciboulette, j'ai quelques pieds de c'est quoi ça? C'est des poivrons. Petits poivrons. Là, ici, j'ai la sauge. Enfin, elle est belle, la sauge. La sauge au jardin éloigne le médecin, hein, c'est bien connu. Là, j'ai des petites fraises.
Voilà, et là j'ai le thym qui est en train de fleurir. Voilà, donc ça c'est le baril, hein, le baril d'aquaponie. Donc ici plante, là en dessous poisson. Donc l'eau monte, l'eau descend, l'eau monte, l'eau descend. Filtrage par les plantes. Hop, enrichissement des poissons avec leur déjection et leur nourriture. Et ça monte et ça nourrit les plantes, et etc. Et c'est un cycle. Voilà, pas besoin d'engrais. Et puis on a du poisson, quand les poissons seront grands, pif paf, dans l'assiette. Bon, là ici j'ai mon bazar, mon bric-à-brac. Là, ben, j'ai coupé. Il était énorme. Bon. Voilà. Bon, je vais pas aller vous faire tout le tour du jardin, mais voilà. Voilà mon setup pour ce soir. Et puis j'espère que l'engin là, qui est là, là, il va me donner satisfaction. Sinon, je ressors la Lulu. Hein. Je vous le dis, moi. Voilà. Petit bricolage. Donc on est passé du 1400 à du 550. Donc vous faites le rapport FD. On a quelque chose qui se rapproche de 4, voire même en dessous de 4. Hein. On devait être à 3,95, 90 ou 98, quelque chose comme ça. Donc bah, je dirais que c'est plutôt fait pour de l'astrophoto, hein, finalement. Hein. C'est un imageur rapide, comme on dit, pour faire du lucky imaging, par exemple, ou des ce qu'on appelle de la pose courte. Mais bon, moi je fais du dessin. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure quand le ciel sera tout noir. Et voilà, on est à pied d'œuvre. Donc là je suis en train de régler le viseur polaire de la monture NEQ5. Alors pour ça, je me suis fabriqué un petit illuminateur. Un petit illuminateur que je pose ici. Ça marche plutôt bien. Je suis pas très balèze en... Voilà. Bon. Il y a toujours les trains qui passent, ça change pas. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, comme on dit. Voilà, donc prêt à utiliser maintenant le GoTo pour mettre l'appareil en station. En station GoTo. Maintenant, on va allumer le micro-ordinateur EQ Pro. Voilà. Voilà, qui s'amuse avec leur mobilette étalonnage 1 étoile. On va faire quand même au moins 3 étoiles. Hein. 3 étoiles, voilà. Entrée, messieurs, dames. Choix de la première étoile, Arcturus. Allez, Arcturus, mon ami. Donc je fais quoi? Je fais entrée. Allez, entrée. Donc du coup là, le bousin, hop, je vais vous le mettre en net, en clair. Il est en train de viser Arcturus. Donc Arcturus, allez là Arcturus. Hein. Arcturus mon ami. Donc là, il vise, voilà, il est en train de viser Arcturus. Oula. Et regardez les amis. Et un amateur. Hein. Un amateur aurait dit, mais je vois rien. Mais je vois rien. Faut mettre un oculaire, monsieur. Ah purée. Hop. D'avoir un grand champ. Voilà, donc là j'ai Arcturus dans le viseur. Je vous le montre. Hop. Alors Arcturus. Ah voilà, regardez. Elle est belle, hein? Elle brille. Elle brille, Arcturus. Voilà. Choix de la deuxième étoile, Vega. Vega de la Lyre. Allez, on y va.
Vega, où il va lui? Hein? Ah oui, Vega, elle est là-bas. Vega, elle est là. Eh ouais. Là, c'est tout en haut. Et je suis trop petit. Et je reviens. Oh, casque pile dedans. Et la troisième étoile, Capella. Ouais, non, mais là, elle est dans les arbres, là. Ah, on devrait pouvoir la voir. Je vais couper la grosse lumière qui me gêne. Bon, on n'y voit pas grand-chose, mais... Hop. Allez. Ah, on met mes lunettes. Dans les arbres. Capella, ah, je la vois. Capella, tu es belle. Reviens par là. Tout juste, et franchement, à la limite des arbres. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? L'amas de la crèche. Bon, ce que ça va donner, hein, l'amas de la crèche. Ça peut être sympa, l'amas de la crèche. Je vais mettre un petit peu de lumière. Yes. Ah, je suis pas mécontent. Hein. Je suis pas mécontent de ce petit Newton. Hein. Franchement, ah, il dépote. Ah, c'est bien, c'est bien. À 150 mm de courte focale. Bon, alors la focale courte, c'est pas vraiment pour l'observation. On s'en fout un peu de la focale pour l'observation visuelle. Hein. Qu'il nous faut pour l'observation visuelle, c'est de la taille, hein, c'est du diamètre. Donc à 150 mm, c'est pas mal, franchement. M39, allez, allez voir M39. Franchement, le temps que je passais à pointer les astres pendant des années et des années et des années, bon, ça m'a appris le ciel. Et là, franchement, c'est excellent. Regarde, c'est fini. Hé, allez, on y va. Quand même une petite ajustement à faire à chaque fois, hein. Mais bon, c'est pas méchant. Bon, M39, c'est un amas assez épars, hein. Pas très intéressant. Donc Escape, non. Donc après on avait M5. Tout juste, hein, vraiment tout juste. Voilà, hop. On va quand même monter sur l'échelle parce que c'est franchement pas terrible. Ouh, joli petit amas. Un joli petit amas. Je vais essayer de zoomer un peu tout ça. Alors, là, je suis avec le 32, on va passer avec le 6 mm, ça fait peut-être un peu trop rapide. Il est là, petit capuchon. On va passer au 15. Allez. On va passer au 15 mm. Alors 15 mm SV Boni. 68 degrés de champ. Oh, un satellite vient de passer. Bon, une petite mise au point, ça pose. Je suis pas trop mauvais, hein, au niveau de la collimation. Hein.
Encore un deuxième satellite. Là, ça passe, mais alors ça passe tout le temps. Hein. Alors, on va essayer le. Après le 15, on va peut-être essayer le. Qu'est-ce que j'ai en boîte? Le 9, allez. On va essayer le 9. 9 mm. Toujours SV Boni. Alors normalement, les SV Boni entre eux sont. Les SV Boni entre eux sont parafocaux, en théorie. Il y a peut-être quelques oculaires qui. Il y a une petite mise au point à faire, mais voilà, en général, ils sont parafocaux. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait la mise au point avec l'un, on pose et on n'a pas besoin, ou en tout cas très peu, faire la mise au point avec l'autre, etc., etc. Ils sont tous parafocaux. Souvenez-vous-en. On va recentrer. Alors, effectivement, quand on zoome de plus en plus avec des oculaires de focale de plus en plus petites, on doit recentrer parce qu'on resserre, le trou de souris dans lequel on regarde. Hein. Donc, voilà. Hop. Juste un petit coup. Ah, il est beau, cette main, hein. Pas très brillant. Il n'est pas très brillant. Il n'y a pas forcément un centre très 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 brillant. Et puis bon, ce qui est amusant avec cet anneau, c'est qu'il est isolé. En fait, il est tout seul. Bon, ça, dans l'oculaire, il est quasiment tout seul. Il y a juste une petite étoile au-dessus. Enfin au-dessus, en dessous, puisque voilà, on est dans le truc mûche là, effectivement. Là c'est. Nord-sud sont en haut, enfin sont inversés, et est-ouest sont inversés. Tout est inversé. Donc oui, donc il y a une petite étoile au-dessus, donc non pas au nord, mais au sud. Voilà, au sud de l'amas. Bon, on va changer de cible. L'amas d'Hercule. Oh, allez, on se le fait. Alors là, M13, j'espère qu'il va être beau. Avec la lunette, une lunette de 80-90 mm. C'était quand même un bel amas avec la 127 mm. Je ne l'ai pas encore regardé avec la grosse Lulu. Par contre, avec le 150, là, le petit bijou, là, j'espère que on va réussir à voir quelque chose de sympa. On va aller voir ça tout de suite. Ah. Qui est beau, mon ami, qui est beau. Encore un satellite, mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Franchement. Ah là là. Qu'est-ce que t'es beau, mon petit M13. Ah. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, il est granuleux. Alors, je ne l'ai pas dissocié. Hein, il n'est pas dissocié à fond. Mais commence à être à avoir une petite dissociation sous forme de granulation. L'amas dans la lunette, dans mes lunettes que j'avais avant, les petites lunettes, je voyais juste une boule floue, sans plus. Là, j'ai une granulation, je sens une granularité, une irrégularité dans la boule. Hein, franchement, c'est magnifique à voir, c'est super beau. Franchement, avec des petites étoiles sur les côtés, là, comme ça, là, trop bien. M81, oh M81, M82, là, les petites galaxies. Allez, on va aller voir. On va aller voir les petites galaxies. Les petites galaxies. M80, M82, les galaxies du cigare et les galaxies de Bod qui se trouvent dans la casserole, enfin dans la casserole, dans la grande ours. La casserole. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là-bas. Donc, on a la forme, donc la galaxie du cigare, elle est toute allongée, on la voit par la tranche. Donc, c'est une galaxie qui est très faible, mais qui est visible. Et juste à côté, on a la galaxie de Bod, donc là, une galaxie spirale, mais elle est vue de face, là. Hein. Bien ronde. Donc, on a une bien ronde, puis juste à côté, hop, un petit trait. C'est assez amusant à voir.
Ouais, alors, ce sont des objets vachement faibles, hein. Il n'y a pas photo. Alors, je ne les vois pas très bien. Alors, c'est pas parce que le bousin, il n'est pas terrible ou parce que je ne sais pas observer, c'est à cause de ça. Ah. Ah, c'est à cause de ça, là, j'ai les yeux complètement fermés, mes pupilles sont complètement fermées. Donc, voilà, soit je filme dans le noir et puis vous ne me voyez pas, ou soit voilà, je mets un petit peu de lumière, mais ça me gêne. C'est Maurice, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et va pas dans le potager, hein? Maurice! Oh, c'est Maurice ou c'est un chat? C'est qui là? Maurice, sors de là! Maurice, allez! Allez, sors de là! Maurice! Allez, sors! Non mais, hé! C'est pas bien, hein! Maurice! Bon, bah. Il y a Maurice qui se baladait dans le tunnel nantais là. Oui, il y a les carottes, mais je sais pourquoi. Les chats y vont aussi. Alors, Maurice, est-ce que je le dis? Je le dis ou je le dis pas? Enfin, les chats font leurs besoins dans le tunnel nantais. Et voilà. Et donc, Maurice. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là. Hein. Voilà, j'ai vu ce que je voulais voir avec le petit TS optique remanié. Voilà, qui Newton. J'essaierai de voir si je peux faire de l'astrophoto avec. Voilà. Alors là, on va parquer la monture. Parquer la monture. Parquer la monture. Entrée. Position home. Voilà, donc là il va se remettre en position initiale. Récupérer le 32 mm. Voilà. Voilà. La monture est parquée en position de base. Éteindre la monture. Entrée. Non? Ils sont sauvegardés. Éteindre la monture. Ah oui, non, éteindre la monture. Je suis con. Éteindre la monture, c'est que le bouton là. Voilà. La monture est éteinte. On n'avait plus qu'à rentrer. À ranger tout ça. Bon, les amis, je ne sais pas si vous êtes amusés autant que moi, mais ouais, moi, je me suis bien marré. Et puis quand même voilà belle petite beau petit engin pour pas grand chose parce que ce petit bousin là bah, on me l'a donné voilà on me l'a donné parce que voilà il servait pas merci à celui qui me l'a donné il se reconnaîtra salut.